On est de retour sur Cult of the Lamb et on va partir en explo parce qu'il faut des sous-sous. Je vais prendre du coup l'un de vous en récupère de la ferveur, en petit démon qui me suivra. Cible aléatoire explose à côté de lui. S'envole pour aller chercher les cœurs rouges. Ça, il n'y en a pas assez souvent. Tiens, un projectile vers l'ennemi proche, ça c'est pas mal. Ce serait qui ? On voit un demi-cœur spirituel au début du donjon. Ok. Bon, l'attaque c'est bien. On va prendre à faire un Angelus. Hein. En plus, maintenant il est level 12, donc il fait beaucoup de dégâts. Salut, Crop, circule ! Circule ! Dire mate mon culte. Faut que j'upgrade ce truc aussi pour avoir deux démons qui me suivent. On fera ça, mais je pense qu'il me faut plus de sous. Donc on va aller chercher des sous-sous. Donc let's go. Ah, je vais peut-être faire juste 2-3 plats avant de partir parce qu'encore une fois, ils ont l'air d'avoir la dalle. Voilà, 4 plats, c'est bien. Parce que en plus, il y a des démons sur le chemin qui vont sûrement foutre le bordel et venir faire chier le camp. En disant, bah ouais, tu viens dans mon royaume, alors moi je rends tes adeptes malades de la gastro. Ici, ouais, c'est ça la suite. Encrombre. J'allais dire un truc, oui, prends-moi mes maîtresses, mais ça fait dégueulasse. Ça peut, ouais, c'est difficile. Épée équilibrée, qui fait des dégâts. Donc voilà, au début, j'arrive avec des armes qu'on me donne. Mais c'est quoi? C'est un éclair aveuglant qui quoi? On est... Ok, bon, c'est pas incroyable. Okay. Par contre, c'est une épée, c'est cool. Au moins, c'est rapide, l'épée. Et comme vous pouvez le voir, là, je dis ça pour ceux qui connaissent pas le jeu. À gauche, je récolte des ressources quand je vais dans les donjons. Donc c'est pour ça que je pète un peu de tout. En parcourant les donjons, il faut que je fasse plusieurs fois pour atteindre certains boss. Et avancer dans l'histoire, mais aussi avoir des ressources et... Et débloquer des nouveaux trucs. En gros. Exactement, Vanille. Et là, le petit démon que vous voyez, ça fait dans l'Angelus. Le petit machin qui fait des picots, là. Et en fait, régulièrement, il va aller mettre un coup au mob. Ça me donne des capacités, des avantages. Je multiplie les dégâts de l'arme de 1,2, c'est bien. Par 1,2. 10% de chance de gagner un cœur. Bleu en tuant un ennemi. Je vais faire ça. 10% de chance, c'est très peu. C'est vraiment très très peu. J'aurais peut-être pas dû. Mais je le prends jamais, ce truc. Il est où? Il est mort? Oui, il est mort. Fusaki n'est plus malade. C'est bien ça! Il peut aller bosser là! Un petit cœur. Donc les cœurs bleus et les cœurs noirs, c'est équivalent au cœur de même couleur dans Binding of Isaac pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que le cœur noir fait des dégâts quand je le perds, quand je prends des dégâts et que je le perds. Et le cœur, les cœurs bleus ne peuvent pas être régénérés et se rajoutent à ma vie actuelle. Mais ils peuvent se cumuler du coup. Là où pour les cœurs rouges, si j'ai déjà, je suis déjà full, je peux pas en rajouter. En gros, un peu mal expliqué mais c'est ça le sale délire quoi. Et c'est parti. Alors, j'ai le droit à plusieurs itinéraires, je sais plus ce que ça fait ça, mais ça c'est un vendeur il me semble. Mais là ça mène un adepte et ça m'arrange pas du tout, j'en ai déjà 1000. On va prendre ça. Je sais plus ce que ça fait ça. Ah, mais c'est juste une carrière. Bon, on prend. Ah bah du coup là, je crois que normalement, vous avez le choix de mon destin entre vos mains. En tout cas d'un événement qui va arriver quoi.
sacrifier un cœur rouge pour gagner un cœur corrompu. Je peux le faire ici? Oh merci! J'ai gagné une carte grâce à vous! Je révèle la carte. Et bah ça c'est cool. Comment je sacrifie un corps rouge pour gagner un cœur corrompu? Je sais pas comment faire en fait. Il me dit ça souvent. Ah, LT. Bon, ça me permet de revenir à mon camp. Bon bah je sais pas. Ah, je sais pas comment le faire. Ça fait plusieurs fois qu'il me le dit, mais je ne sais pas où. Ah, faut peut-être que je trouve un autre totem. Ou un autre truc. Je sais pas. Un petit cœur rouge, hein. Mais ok. La suite, hein. Ah, j'ai perdu un cœur noir et ça a fait... Oh punaise, qu'est-ce que c'est ça? C'est le monstre! Attendez, faut que je fasse sa voix! Je sais plus quelle voix j'avais fait. Pour lui, j'avais fait une voix aiguë, je crois. Oui, j'avais fait une voix aiguë. Attendez, je retrouve ma voix aiguë que j'avais fait. Non, c'est pas ça. Ça doit être celle-là. Non. Ça doit être celle-là. Alors... La famine et la peste n'en sont visiblement pas suffisants pour t'arrêter. Il semblerait qu'il t'accorde davantage de puissance à chaque fois que tu reviens d'entre les morts. Sache que bannir la couronne rouge n'était pas mon idée. Ce sont les autres prélats, mes frères et ma sœur. Eux seuls sont à blâmer. Je t'en prie, épargne-moi. Juge à moi, si tu veux, mais mon heure n'est pas encore venue. Ne m'en va pas vers lui. Tu ne trouveras jamais mon temple. Je serai en sécurité là-bas. Oui, je serai sauvée. Oh, il implore mon... Il implore ma clémence. Trop stylé, quoi. Rien à marre, y'a qu'à la marre. Ici, c'est rigolo. Mais c'est un piège, ça. Oh, c'est un nouveau mob. Agneau, aimerais-tu voir de plus près les plus belles antiquités de la vieille croyance? Oui! Tant que le bateau de Plimbo sera à flot, Plimbo sera prêt à faire des efforts. Viens donc chercher mon œil à mon sanctuaire. Il est où ton sanctuaire? Oh, j'ai un nouveau truc, oui! Plimbo! Pont de contrebandier! Oh, je peux avoir des nouvelles ressources du coup. Mais là, tu me donnes rien, c'est ça? Du coup, je pète tout, hein. Au revoir Plimbo, c'est sympa! Salut ma couille! Ah, un vendeur. Épée occulte. Permet d'utiliser de la ferveur collectée pour augmenter votre barre d'inspiration divine. Inflige parfois des coups critiques aux ennemis. Ou. Inflige parfois des coups critiques aux ennemis. Bah, je vais prendre celle-là parce qu'elle a plus de dégâts. Jackalamatalama. Là, je récolte de la ferveur, c'est ce qui me permet d'avoir des munitions pour tirer à distance. Une clémence dans tes followers? Très certainement. Mais pas dans mes adeptes. Ça va être chaud. Petite carte. Inflige des dégâts de poison, ça c'est trop bien. Parce que c'est un dot. Du coup, ça fait des dégâts sur la durée. Et ça, c'est yimbe. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Mon deck, il fait bien mal, hein. C'est peu 800. Cœur supplémentaire, ok, c'est bien. Next. Là. Non. Si. Pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Merci beaucoup, Ali. Merci beaucoup pour le raid et bienvenue à toi. Ça fait longtemps que je t'ai pas passé de voir, moi.
J'espère que ça va. Là. Yo yo, bonsoir petit McGraw. Vous étiez sur quoi avec Wally? Huish. Il est sorti par la bite celui-là. Merci McGraw. Pas Marco, hein, c'est Marco. J'ai dit Marco. Je vais peut-être pas tort. Merci, bienvenue. Ah, ils ont tous sorti de poison mais ils meurent pas. Pratique là mon arme à distance. Donc voilà, hein, comme vous voyez, je récolte vraiment plein de trucs à chaque fois que je pète tout. C'est pour ça que je le fais tout le temps. Parce qu'il y a des trucs genre les os, je peux pas vraiment les avoir autrement. Les cristaux, pareil. Red, salut! Deolex, si j'ai bien lu. Oh punaise, les bombes des mobs leur font mal à eux-mêmes, c'est trop bien. Oui, ça va très bien. Fall Guys. Oh, Fall Guys. J'avais jamais vu sur Fall Guys, je crois. Ou alors, je t'ai pas venu au bon moment. T'es pas la première, elle sera pas la dernière à m'appeler comme ça, désolé. Marco. Effectivement. Mais si ça peut te rassurer, je pensais à l'animal. Notamment parce qu'en plus on a vu un mob calmar. Tout à l'heure on a fait... on a participé à une émission, j'étais avec une de la team crevette, moi de la team albatros. Du coup c'était... Voilà, il y avait vraiment tout un champ lexical des animaux marins. C'est aussi pour ça. Tu as encore des adeptes? Ils sont pas tous sacrifiés. Ah non, ils sont là et puis j'en ressuscite dès que je peux. Mais c'est que là, je commence à en avoir trop. Donc j'en ressuscite pas tout de suite. Non, mais destructeur, c'est très très lent. Il y a plusieurs projectiles qui pour chasser l'ennemi, on va prendre ça. Ça, c'est très bien ça. Et ça, tic, on dégage et ça fait des sous-sous. Ah, épée vampirique. Soigne parfois lorsque vous tuez un ennemi. Ouais, non, ça non. Libère à ce moment genre des cadavres. Le problème c'est que les fois où je l'ai vu, ça servait vraiment pas à grand chose. Donc je prends l'épée vampirique pour voir si ça peut me heal un peu. Quoi qu'inflige parfois à coup critique. Non, en fait c'est plus intéressant le coup critique. En fait, je garde ça. C'est bien ça. Je pète tout chez lui, comme d'hab. Et puis je me tire. C'est ça la gloire. Exactement. Avoir trop d'adeptes. Into the cult. Mais moi, mon but, ce serait de virer tous les adeptes qui ne sont pas des viewers et de ressusciter mes adeptes viewers qui sont morts. C'est plus un potoche. Les adeptes ont à plein le culte. J'aime beaucoup. Les pièces des coffres sont remplacées par de la nourriture, mais ça m'arrange pas trop ça. Parce que j'ai besoin de sous. Ah ! Oh, puis c'est de la chair d'adepte en plus. Bon, remarque, ça me... Vu que j'ai un culte de cannibale, ça va. Enfin, je veux dire, ils ok, quoi. Je suis déjà... Ah oui. Je veux dire, ça les dérangera pas de manger de la chair d'adepte, quoi. La suite. Le boss. De la Moulok Saga. What the fuck? La moulaga, après la moulaga, la moulok saga.
C'est la monnaie de mon culte. Et voilà, on peut réfléchir, mais ça peut le faire. Je vais aller dodo, bye. Bonne nuit, Marco. Je vais arriver, je te promets. Merci beaucoup pour le follow. Et des oubis. Bonne nuit à tous ceux qui vont se coucher. Et merci d'avoir suivi les raids, c'est très gentil. Non, j'attends. Dernier coup, il voulait pas le mettre. Son culte est déjà culte. J'aurais pas mieux dit. Bisous hanté. Très bonne nuit. Des zoubis. Projectile quoi? Non. Non, je garde mes armes. Oh, j'aurais dû prendre et après... Bon, c'est pas grave. On a vu ce soir que j'étais cultivé. Ah... Ça, c'est à force de faire plein de cultes, ce qu'on appelle la culture, on finit par être cultivé. Ouais, moi je connais, ouais. Ah! On me tape dessus! Et. Attends. Je me prépare. C'est puissant ça, hein, vous avez vu, mon arme est bien, hein. Et là, vous avez vu le petit robot Infernalou qui a. Il me plein la tronche. Pas le prendre, pas grave. On est full, de toute façon, tout est parfait. Ça par contre, je tape ça aussi et ça aussi, sinon c'est... En fait, les os, j'en ai essentiellement besoin pour faire des rituels. Into my cult. Merde. Florian a peur de la mort, alors du coup il... Ça y est, ça va foutre le bordel, j'ai un cadavre dans mon truc là. J'ai un cadavre dans mon culte, ça craint. Je vais essayer de me dépêcher de faire ce try. Parce que, bah, en général, ils aiment pas des masses avoir un cadavre en plein milieu du campement. Balzabad. Aïe! Ah, mais je vois pas. J'ai déjà buté? Oh, je l'ai éclaté! Tu fais tellement mal, j'ai même pas vu sa barre. Mais non, mais je m'en fous d'enrôler cette recrue là, moi je veux me tirer. Obligé, hein, d'accord, hein. Je peux partir en fait. Non, je peux pas. Je suis obligé d'enrôler la recrue, mais j'ai trop de monde. Désolé d'être mort de vieillesse. Je vais pas être aussi vieux que Trapil. Tu as culbuté. Il est trop bien ce jeu, rien que pour tout ça, tous ces jeux de mots. On va prendre un plan, évidemment. Ou un truc que je crois que j'ai déjà, en plus. Oh. J'avais pas déjà, mais j'avais un truc très très proche. Paravent ! La révolte dans ce jeu, ça commence par en a plein le culte. Voilà. Et cette porte s'ouvrira à mon prochain try. Il faut attendre que le cercle se remplisse de rouge. Et du coup, là, on peut rentrer à la maison. Ça doit puer du culte à cause du cadavre. Un cadavre dans le culte, t'imagines l'odeur.
141 mobs en 16 minutes. C'est pas mal. Mais bon, on va voir dans quel état ils sont tous là. Ils vont faire la gueule. Ouais, regardez, regardez comment ils sont tous plus... Ils croient plus en rien, y'a rien qui va. Allez, on l'emballe. La victoire du donjon inspire vos adeptes. Ça, c'est bien, ça. Soyez inspirés. On va mettre là, on ressuscitera quand on pourra. Ensuite. Alors, petit Dan qui a réussi sa mission et qui me rapporte de la moulaga, tout comme Fion qui me rapporte de la bouffe. Les envoyer dodo. Quand ils reviennent de mission, ils sont éclatés. Tout comme Infernal Angelus qui m'a accompagné dans la mission et qui doit être tout fatigué aussi. Ensuite, là on récolte la bouffe. Alors ça va pas, c'est tout dégueu, je pense que les chiottes sont pleines. Un peu, hein. Ça va un peu mieux, même si je suis sûre qu'il y a du vomi et des conneries comme ça un peu partout. Ça c'est les ressources que je récolte. Ah oui, voilà. Faut que j'ajoute des chiottes. Ok, c'est propre. Ensuite, hein. Je vais récolter leur... leur foi. Leur prière, en fait. Et en fait, en récoltant ça, je peux me débloquer des nouveaux... bâtiments. Par contre, il y a un lit de crat-fingue. Je le répare. Voilà. Alors... toi, t'es extérieur 2. Eh ben, je vais faire ça. Grande capacité. Pas bien, ça. Il y a plein de trucs que j'ai pas construit. On verra le reste plus tard. Là, je récolte les donations. Comme en vrai. Le caca. Et là, la bouffe. Ah non, j'ai déjà fait ça. Voilà. Je vais refaire à bouffer. Mélange ordinaire, c'est bien. Plat de viande, 15% de chance qu'un adepte ait envie d'aller aux toilettes immédiatement. On fera avec, hein. C'est plus nourrissant que les autres plats, donc... Enfin, que d'autres plats que je peux faire. Non, j'ai raté. Oh, j'en ai raté un autre. C'est nulos. Allez, mangez vite. Ils vont pas bouffer. Comment ça se fait? Ils ont faim, ils vont pas bouffer. Ah si, ils y vont. Bon, ceux qui vont pas, on va leur faire un petit peu de bénédiction. Y a-t-il un bal pour les adeptes? C'est plus important. Écoute, il n'y a pas de bar, mais il y a des champignons hallucinogènes. Est-ce que ça compense? En vrai, ça compense un peu. On sort silence. Brasserilox. Ouais, enfin bon. Avec le l'amour scatophile que qu'ont certains de mes adeptes, j'aurais un peu peur de... résultat, quoi. Mélange. Pas la même chose, ouais, mais bon, écoute, les champignons, on en a à dispo, on fait pousser. Qui m'ont goûté dur de s'enthousiasmer par autre chose. Et un peu ça aussi, ouais. L'adepte, ça plaît bien. Tiens, d'ailleurs, je peux en faire, là. Ici? Non. Plat mortel, non. Bah, j'ai déjà fait, peut-être.
Non, mon truc, ma chair d'adepte. Mais dis donc. Bah non, je peux pas en faire là tout de suite. Pourtant, j'ai récolté de la chair d'adepte. Je sais pas pourquoi. On va faire un petit sermon. Quoi qu'on peut peut-être faire un rituel. Les chaises décalage sont images. Ah ouais. Attends, si je me mets en capture... Bah. Ah ouais, léger. Ah, mais je suis pas en capture du jeu. Mais... Comment vous voyez le jeu, en fait? C'est par quoi? Je comprends même pas comment vous voyez le jeu, sachant que... Ah oui, d'accord. Ok. Ça peut-être... Ah. Bon, écoutez, je mets qu'une seule capture. Parce qu'en fait, j'avais deux captures du jeu. Ah bah, celle-là ne marche plus, d'accord. Voilà. T'as peur de faire une bière de merde, genre une Henneken, exactement. Ah, ce serait... Ce serait un sacrilège, un petit peu. Hein. On va faire un petit rituel, hein. Le rêve m'appelle dans son royaume des rêves. C'est beau. Bonne nuit des oubliés à tous, bonne nuit petit Sims. Et félicitations pour la victoire du jeu. Enfin, de la question du Burger Quiz au chat. Bravo. Rituel sacrificiel. Je peux sacrifier quelqu'un, on va peut-être le faire. Je crois qu'ils aiment bien. Et en plus, comme ça, ça me fera un adepte en moins. Et en plus, je crois que je peux sacrifier mon perso qui ne me sert à rien. Donc, je pense qu'on va faire ça. Un petit sacrifice low. Oui, voilà. Et comme ça, je pourrais après ressusciter l'un de vous. Ça n'a pas rapporté beaucoup, mais bon... Oh si, ça va. Niveau 3, bon, c'est pas dingue, mais let's go. Merci, j'en rêvais. J'en étais sûre. Allez, buffet d'adeptes ce soir. Voilà, comme ça, ça augmente leur foi. Ils sont tout contents et je leur fais un petit sermon. Et puis c'est bien. Donc, ça va s'auto-sacrifier. C'est ça le privilège du guide. Je peux voir quoi, moi? Je peux voir ça. Ok. Ça augmente la foi, ça me donne de la chair d'adepte et ça me vire un adepte qui était là sans vraiment que je le veuille. Donc c'est parfait. Hello ma chère d'adepte, hein. Je peux pas faire de plat d'adepte. Je le trouve même plus en fait. Plat de viande, de poisson ordinaire. Ah si, c'est ça. Plat de chef d'adepte. En fait, je confonds avec ça. Ça va augmenter la fidélité. Je vais attendre un peu avant de le faire parce que là, la fidélité est au max. Donc on va faire des plats normaux. Je vois des sacrés éclairs, hein. Des plats normaux comme ça, tiens. Là, on a un petit plat de viande fade, hop. Petit plat de légumes, petit plat comme ça, voilà. J'en fais 5, ça suffira. C'est ceux qui n'auront pas mangé au truc précédent. Non. On va faire raffiner des ressources. C'est bien. Et ensuite, on va construire des trucs, je pense. Parce que je devais améliorer des choses. Voilà, je devais faire ça. Un truc comme ça, niveau 2. Et j'ai largement ce qu'il faut. Donc, on va le faire tout de suite. Comme ça, je pourrais amener deux démons avec moi en donjon. Ça, ce sera très bien. Poste de nettoyage. Bon, il me sert à feuille. Les toilettes niveau 2, on va le faire aussi. Hop. Je pourrais même faire un rituel. Alors, ça, c'est quoi? Ça sert à soigner les adeptes malades. Allez, je vais faire ça. Je le mets où? À côté des chiottes? Non, je vais mettre à côté de ce poste là. Je pense qu'on va faire un rituel de construction instantanée parce qu'on a ce rituel là et c'est très bien, donc on va le faire. Et je voulais faire un épouvantail piégeur qui piège les oiseaux, qui essaie de bouffer mes ressources. Ah là, là je construis un max, là ça fait trop longtemps que j'avais pas construit, je le fais. Il me faudra ça, il me faudra de la thune comme d'hab. Et là il y a confessionnal, alors écoutez les confessions de vos adeptes pour augmenter leur fidélité. Ça, on va tester, ça va être rigolo. Je vais le mettre à côté de l'endroit où il y a les adeptes enfermés. C'est histoire de montrer ce qui se passe s'ils se confient un peu trop.
Je trouve ça bien. Si j'ai assez, je vais faire le rituel de construction automatique. Permet d'achever instantanément la construction de toutes les structures de la base. C'est bien ça, non? Ouais, on va faire ça. Au chocolat ou au café, les éclairs? Trop difficile de choisir. Mais là, ils sont dans la gueule, les éclairs, là. Dans la gueule des gens qui sont un peu plus loin là-bas. Qui sont un peu loin. Voilà, ils ont perdu un tout petit peu en fidélité, mais très très peu. Et comme ça, je vais faire des trucs de chair d'adepte qui augmentent leur fidélité, donc ça sera très bien. Vu qu'ils ont un peu faim. Et du coup, ça a tout construit instantanément. N'est-ce pas dingue? Ça va pas la vieille secte française hallucinante? Les Raéliens, oui. C'est avec un gourou qui se faisait payer par ses adeptes, Ferrari, Porsche et tout. Mais oui, non mais... Beaucoup, beaucoup de cultes sont dans le genre, mais celui-là, effectivement, j'en avais entendu parler. Bon, j'étais... Je sais même pas si j'étais née quand le truc... était connu, mais j'en ai quand même entendu parler. Ah, c'est... c'est finalement un peu le principe, quoi. Je veux dire, pourquoi faire une secte si c'est pas pour t'en foutre plein les fouilles? Mais j'ai ma vision. Ça existe toujours. Il y a même des adeptes qui font des lives TikTok, j'ai été choquée. De quoi, les Raéliens, ça existe toujours? C'est incroyable. Et quand je venais de moi, j'avais une page ouverte, je mérite le... Ah oui, t'avais... T'avais deux pages ouvertes, oui d'accord. Non mais ça va, ça va. Juste, bah, voilà, tu finiras sûrement sacrifié, c'est pas grave, on est cool. Non mais eux aussi, faudrait que je sacrifie. On verra ça plus tard. Voilà, là j'augmente leur fidélité et je prends toute leur fidélité pour WAM. Ça me fait de la puissance, de la paix puissante. Voilà. Ça, faut continuer, hein. Ah. Non. Ah merde, j'avais déjà fait. Pas Yul Greux. Tiens, on va fidéliser Giotte un petit peu. On a une carte de fidélité. Bah, normalement, c'est ton job de parler de ça un petit peu avec les adeptes, mais t'es décédé. C'est toi qui récoltais les sous et tout. Petit Dan, est-ce que je peux... Non, mais je crois que je peux plus. Alors, je vais écouter une confession. Ça augmente la fidélité si je fais ça? Écoutez la confession de Florian. Oh, il n'aime pas les agneaux? Je l'ai éclaté. Ah oui, ça augmente vraiment beaucoup la fidélité par contre. C'est pas mal ça. Ah ouais, c'est balèze, c'est balèze. Ok. On va envoyer des gens me chercher des sous et tout. Alors faut faire gaffe parce que... Ah, Petit Dan, il est fort pour les sous. Hein. Les os, Petit Dan, mais je t'envoie me chercher des sous-sous. Hein. Gourou est devenu un métier d'avenir. en tout cas, le métier de gourou s'adapte parfaitement aux nouvelles technologies. C'est bon à savoir. Payou le gru. On va envoyer Fion. De la bouffe, hein. Franchement, la bouffe. C'est quand même le nerf de la guerre. Tout le monde a l'air d'aller plutôt bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir notre nouveau... le nouveau PNJ qu'on a rencontré, qui nous a invité chez lui. On y va. Merci beaucoup! Merci beaucoup, Catmac, de nous avoir rejoint. Et... Il est venu en paix. Merci beaucoup! Oh! J'ai obtenu une apparence de crabe! Mais c'est trop bien! Tout va bien, merci beaucoup, Catmac, c'est adorable! Putain, la fidélité, ça marche vraiment.
Grisions qui récoltent. Merci, c'est même pas au centre, je me rends compte, mon truc. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Toi, écoute-moi bien. La côtelette sur pattes, tu me joues un bâton. Les prélats sont des sacrés vermines. Mais grâce à eux, les voies navigables restent ouvertes et la région coule à flot. Mais maintenant que tu as commencé à les massacrer, toutes sortes de montures se sont mis à débarquer et à faire couler mes réserves. Une monstre, pas de monture. Avec leurs dents qui grincent, leurs trônes difformes et leurs odeurs nauséabondes, à réveiller les morts, ils me fichent les pétoches. Portrait craché de ma belle-mère. T'as intérêt à te rattraper. Chaque fois qu'un prélat disparaît, une affreuse créature qu'on appelle un témoin le remplace. C'est en vain. Plimbo connaît un bâton. Un beau monde. Pardon, je vais y arriver. Un beau monde. Du beau monde, pardon. Qui paiera un paquet pour un œil de démon? Si tu m'en apportes, machin. Mais j'en ai pas déjà des yeux de démon, parce qu'on en a tué plein. Tiens, je te donne. J'en ai qu'un? Alors j'ai tué 1000 démons. Eh, c'est truc mou. On parle toujours de l'œil, hein. On raconte que les créatures ont vu tout ce qu'il y a à voir. Et qu'elles ont jugé le monde. Un peu comme ma belle-mère. J'ai trouvé durant mes nombreux voyages, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le genre de truc qui me permet de débloquer des tenues et tout ça. Info ou intox, hein? On va lire ça. Il est où mon truc? Il est là. Tidam a contribué au totem. Merci beaucoup que tu donnes. C'est sympa. Info ou intox? Alors ça, on l'avait déjà fait. Ça, on l'avait déjà fait aussi. La personne n'y croit, alors je vais pas le faire. Alors. Allez, info ou intox, même si en vrai, je pense que la réponse sera pas très. Bref. On a plus de chances de mourir le jour de son anniversaire qu'un autre jour de l'année. Je pense que j'avais déjà fait. Un feu ou un tox? Structure portant un cristal lumineux. Oh, ça coûte cher tout ça, ça coûte 100 boules à chaque fois. Non mais n'importe quoi. Dépose une bombe explosive. Après une roulade. Oh dis donc. Faudrait que j'achète ça, mais je sais pas, c'est tout moi. Hein. Oh, je dois avoir une nouvelle adepte. Une nouvelle apparence d'adepte. Là, je veux bien dépenser full sous. Salut, Ego! Cornichon! J'aime bien, c'est vendredi, alors je dirais info. Oh, il y a un petit éléphant! Il est trop mignon, le poisson, mais il a l'air de souffrir, le pauvre. Je peux pas pêcher? Ah, j'ai trop envie. Bon, on s'en va. Faut que je tue d'autres démons. On va pêcher un peu, tiens. Alors, je redis info ou intox, on a plus de chances de mourir le jour de son anniversaire que n'importe quel autre jour de l'année. Enfin, qu'un autre jour de l'année. J'espère que je pourrais utiliser ce bateau un jour. Je pêche juste un petit peu pour avoir un peu de bouffe pour mes adeptes. Et je vais retourner là-bas pour voir où ils en sont. Et puis on va repartir en donge, hein. Demain c'est déjà vendredi? Demain c'est mardi. Je suis contente que mon anniversaire soit passé. Magicap avec des bagages, oui c'est vrai. Mais Mais bon. Magikarp avait moins de regard... Plein de souffrances.
que j'avais vu une bestiole. Alors. On va plus avoir de multicredit. Bah, ce sera un autre jour. Mais je ne sais pas quand. Faut que je joue avec Jox. Alors. Info Watox, on a plus de chances de mourir le jour de son anniversaire qu'un autre jour de l'année. Deux études ont attesté ce fait. En effet, bien que le pourcentage ne soit pas très élevé, le fait est avéré. On a plus de chances de mourir le jour de son anniversaire qu'un autre jour de l'année. Et comme dit, effectivement, comme tu dis, Gatmax, j'imagine que. Bah, tu vas le fêter, tu vas essayer d'organiser un truc, voilà. Effectivement! Mais c'est vrai qu'ils expliquent pas plus. Alors, on revient à la maison. On récolte ça. Oh, les lits sont tout pétés! Nice, je peux débloquer des nouvelles trucs. Bon, je débloque plein de constructions, mais faut que j'en construise un peu. Hein. Oh! C'est qui revient à la vie? Oh non, je crois que c'est pas un viewer. C'est qui? Ouais, c'est Al'Jul. Al'Jul, t'es pas un viewer. J'aurais préféré que ce soit un viewer qui ressuscite. Un bot. Bon. Là, ils sont tout pétés. Alors, niveau bouffe, ils ont faim, évidemment. Ensuite, on va faire raffiner des ressources. Parce qu'il le faut. Ensuite, je vais récolter de quoi faire à bouffer. Ouais, là, ils ont faim, là. On va faire ça, on va faire ça. Je peux faire un savoureux plat de poisson. On va faire ça. Je peux faire légumes ordinaires. Et puis ça. Voilà, là j'ai fait assez de plats pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, du coup oui, j'ai un... Non mais oh, est malade, croyance germanophobe. De quoi? Par germanophone, germaphobe. Bah va, comment je... Repos. Comment je l'envoie se soigner? Ah non, faut que je me mette là. Et que je soigne, comme ça. Ah, ça demande des herbes rouges. C'est à ça qu'elles servent donc. D'accord. Ah, mais il est toujours malade. Mais pourquoi t'es toujours malade? Je viens de te guérir. Ça va pas, non? Bien sûr, hein. Je te déguéris, moi. Ah ouais. Maintenant, on va augmenter un petit peu la foi en prenant les confessions. Mais je l'ai amélioré mon chiotte déjà. J'ai joué Stardew Valley, ouais, j'ai beaucoup aimé. Après, je trouve que Stardew, c'est chiant quand on est seul parce que la journée est trop courte et notre personnage s'épuise trop vite. Même quand on se fabrique des trucs, ça va quand même trop lentement. Mais oui, j'aimais beaucoup Stardew Valley. Après, j'ai pas joué à la mise à jour qu'il y avait eu où il y avait un autre monde, mais j'avais fait un peu les deux zones principales, je dirais, je crois. Donc voilà. Ça a été celui à Kilo, le comment qui va. J'aurais pu ressusciter 50 fois. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je fasse ressusciter des gens.
comment s'appelle ton prof à l'époque du western ? S'appelle une prof à l'école... Ah, pardon. Comment s'appelle une prof à l'époque de western ? Je sais pas. Story of Season, ça me dit rien par contre. Bon oui, je fais des toilettes, ça va être... Oh, faut que je fasse des tombes. Mon copain me dit fais d'autres chats. Est-ce que je l'ai fait ailleurs ou pas à votre avis? Je vais faire ailleurs en vrai. Ici souvent ils vont aux toilettes, donc je vais en mettre là. Une correctrice. Une blague de co-légien. Elias mec. C'est mignon. C'est très mignon. Il faut que je voilà, que j'inspire un peu les gens. Oh là, on me donne une petite donation derrière là. Non, c'est pas toi que je voulais. C'est qui? Non, mais où? Bah voilà, pareil, ça c'est un bot. Lui, je voudrais le sacrifier aussi. Mais faut que j'augmente leur foi. Ça, après, quand je les sacrifie, bah, ça me donne vachement de bonus. Target max. Hop, je t'inspire un max. Comment allez-vous? Story of Season, c'est le successeur d'Harvest Moon. Mais oui, je l'avais vu en pub. Mais en jouant à Harvest Moon et à Stardew, j'avais peur que ce soit trop proche de l'un ou de l'autre. Et je me suis dit, bah, j'aime beaucoup Stardew. Peut-être profiter de la nuit pour aller jouer un peu au Gwent, là. Enfin, l'équivalent. Récolter un peu des thunes, on va faire du jeu. C'est où? C'est là-haut. J'ai été bonne pour moins que ça. Non, ici on adore. On adore les superbes jeux de mots extrêmement recherchés. Arrêtez vos conneries. Yo petit Gaël. J'espère que ça va. Savane était un cauchemar. C'est pas un cauchemar non plus. Ça arrive dans 21 jours quand je pourrais dire à mon boss d'aller se faire mettre. Parce que j'aurais fini mon préavis de démission et il pourra plus me virer. D'accord. Donc t'es obligé de te tenir à carreau pendant ce temps-là. D'accord, je vois. Révolte! Allez, je fais un pari de 20 pièces parce que j'ai peur de R. Et on va jouer un peu. Venez, petit silence. Nanana. Hein, je commence par 1, vraiment. C'est nul. Et bah lui en plus, il arrive à me l'éliminer, c'est nul. Pam, pam. Pam, pam. Non! J'ai 0. J'ai 1. Tu peux avoir des bons chiffres? Voilà, genre 1. Oh putain. J'ai 7, il a 47. C'est chaud. Non mais j'ai vraiment des trucs horribles! Oh là là, mais il m'éclate! Allez, un truc bien là! Merci. La moulaga qu'il a. Non mais c'est. Un, vraiment, encore un! Mais je vais chialer! Oh! J'ai parié trop de pièces! Faut que j'élimine des trucs. Super. Je vais chialer. Moins 20 quoi. Je m'en fous, je refais pareil. Ah
parfait, je refais. Bonne soirée, JM. C'est vraiment un corrigier. Non, on a fini le travail de nuit. Bonjour la coloc avec ma meilleure pote. Et une vie saine. Ça, c'est des bons trucs, ça. Mais du coup, tu vas faire le même taf de jour ou rien à voir? Carmater de la tronche, un petit peu, ouais. Le vis moyen. Je vis moyen. Mais là, là, ça se passe très mieux. S'il a un 6 sur le caca. J'avais dit, hein. J'avais pas dit. Si, j'avais dit. C'est très serré. Très serré comme mes fesses, là. Là, j'ai gagné. En centre de récupération post-chirurgie. Tu vas récupérer le gras des bidous, comme dans Fight Club. Ensuite, je me casse en Suisse. Il m'offre 28 euros de plus par heure pour le même poste. Effectivement. Merci. Vas-y, je refais pour rattraper. Mais cette fois, j'ai parié 10 pièces. 15 pièces. Aider les accidentés à remarcher. Ah! Pas mal aussi. Même si faire du savon avec du gras, je vous en jure. Mais partout son argent! Mais putain! Pardon. Il a un 6. Moi, je peux en avoir un aussi? Non, 6, ta mère. Et voilà, je vais tout virer. Ça n'en finit pas. Voilà. Là, c'est bon, je peux plus être éliminée. Mais pareil, hein. Tu vois, c'est cool, hein. On avance vachement, hein. Putain. Je vais faire ça, tiens. C'est bien, ça. Quoi qu'il peut mettre des 6. J'aurais pas dû, c'était une erreur. C'est une connerie. Pâtisse, putain. Il l'a pas mis. Oh, nulos. Il est trop mauvais. Il... Ok, j'ai récupéré des sous. On va pouvoir partir maintenant. Bon, tu le niques, je l'ai niqué. T'es total niquade. Fils de connard. Pardon. Je retourne à la maison, hein. Non, mais c'est qu'il me faut des sous aussi. Je suis obligée de prendre des risques, WAM, hein. Je suis obligée, moi. Je faisais pas. C'est le destin qui me jadit. Petite Dan, merci de t'avoir ramené des sous. Hop là, je vais l'envoyer dodo maintenant. Je l'inspire avant. Voilà. Puis maintenant, je l'envoie dodo. Alors, je peux pas l'envoyer dodo? Ah si, voilà.
Ah, je vais inspirer Jokes. C'est quoi ça? Combustible. Qu'est-ce que ça fait? Je sais pas du tout. On va... Merde! Je les ai interrompus dans la conversation et ils sont tout vénères. Beaucoup d'anathètes qui sont morts en mission. Deux, je crois, en tout. Donc franchement, ça va. On a collecté de l'argent. Faut que j'ai un nouveau collecteur d'ailleurs de thunes. Et Grisou, il est 6 pieds sous terre. Parce qu'il est mort de vieillesse deux fois. Ah, faut que je mette un truc à récoltage de pierre. On va faire ça tout de suite. Est-ce que je peux faire aussi niveau 2 ces trucs-là? Non, toujours pas. Hein. Non, toujours pas. Je peux pas. C'est quoi? Ça augmente la vitesse de croissance de toutes les parcelles. Ça, j'en ai déjà. Et voilà, je vais mettre un niveau 2 ici. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre d'important? Foi. Déposer des offrandes. Vraiment, les adeptes qui ne prient pas auprès de tel... Ouais, bon, ça, c'est pas très... Par contre, des décos, ça peut être pas mal, ça, les petites décos, parce que mon culte aime bien les décos. Ça fait... Oh, c'est mignon, c'est un petit sac de champi. Hop là, je vais mettre dans les... au niveau des cuisines, ce sera sympatoche. Voilà, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? En fait, la foi augmente quand il y a des décos. C'est quoi ça? La lumière fut, mais c'est super. C'est super. Petit buisson en pot, là. Lanterne os, mais j'en fous partout des lanternes. Composante sculpture faite d'os. Couronne végétale décorative. Petite couronne déco là. Mettre ça ici. Bien ça. Voilà. Ok. Déjà fait. Non. On inspire un max. Copier-coller, Covidé. Non, c'est trop. De copinage entre adeptes. Il y en a un, hein, parce qu'il y a des lits qui se cassent quand même. Hein. Ça copine un max. Je vais faire un peu à bouffer du coup. Oh, mais j'ai pas beaucoup. Hein. Je vais faire quelques petits plats basiques. Pour le moment. J'ai ma nouvelle toilette aussi ici? Ouais. Je l'améliorerai quand je pourrai. Comme d'hab, on va faire raffiner des trucs. On va faire du bois. Et des pierres. J'ai pas beaucoup de sous-sous. Hop, on va inspirer Jox. Déjà fait. On va inspirer Pitou. En fait, c'est ça qui augmente leur niveau. Et quand leur niveau augmente, et ben, ils sont plus forts quand ils vont en mission. Ils sont plus intéressants à sacrifier. Ils me rapportent plus en général dans tout. Voilà quoi. C'est bien. Se coltiner tout un jeu de mots. Vous êtes beaucoup trop inspiré. Vous êtes inarrêtable. Vous n'arrêtez pas de vous coordonner dans vos jeux de mots. Ok. J'ai combien d'adeptes? J'en ai 11. J'ai pas beaucoup de sous encore. C'est vraiment un sous-saï ça. Bon, je vais comme d'hab envoyer des gens.
Non mais oh, un niveau élevé. Ah bah c'est bien. J'enverrai bien récolter des sous lui aussi. Ou de la viande. Oh de la viande. La bouffe. C'est officiel. C'est là que c'est meilleur. Oh ça on le savait. Merci. Et donc un corrigible. Bon, bah maintenant il me faut un peu de ressources en plus. Comme d'hab. Je pense que je vais devoir aller en mission pour ça. Merci pour la contribution. Pardon. Merci pour la contribution au totem. Ma langue a littéralement trébuché sur elle-même et s'est pété la gueule. Les envoyer en mission, c'est flemmard. Exactement. J'ai fait à bouffer, hein. On va pouvoir faire un petit tir d'adepte. Puis tu décides de mon destin. On n'a plus qu'une contribution totem et j'aurai un bonus. Ah, une question que Wazine. Je l'ai pas vue. Question gastro. Alors. Non mais faut le savoir ça, dit on. J'aime pas ce que c'est. Alors, quel est l'animal dont la chair constitue l'andouillette de cambrai? C'est avec quoi qu'on fait une andouillette de cambrai? On va devoir repartir en mission, hein. Impression, hein. Moi, je peux aller pêcher un peu aussi. Ah, je vais peut-être aller pêcher un peu pour récolter des sous. Des sous, de la bouffe. Intox. Le porc. Pas du porc. De toute façon, vous aurez forcément bon un moment. Petit tas de foin. Augmente les dégâts infligés de 20% en journée. Ouh. J'achète une carte, allez. La Minico. Bravo le veau. Tout à fait, c'est le veau. Non, c'est Yasmog a raison. C'est à base de veau apparemment qu'on fait l'andouillette de cambrai. Et je vous en donne une autre, vu que vous l'avez trouvé vite. Combien de temps fait-on... Oh, je vous en donnais deux même. Combien de temps fait-on cuire les bigorneaux? Ok. La réponse n'est pas intéressante. Douze, 15 minutes. C'est moins. Bah là, ils vont tous dodo, mes adeptes. Donc, autant en profiter pour pêcher un max. Bigorneaux de la famille pirate. Aussi, j'en ai jamais mangé de ma vie, des bigorneaux. Mais je sais ce que c'est à cause de bigorneaux. Sept minutes, c'est moins. C'est le gosse ou le sac Lacoste. Il y a un sac Lacoste qui s'appelle Bigorneau. Je sais que... Ah non, tu veux savoir si c'est le... D'accord, le sac Lacoste, c'est ce qu'elle t'appelle... Ah bah il s'appelle sac à main, je crois. Le crocodile, c'est ça? Ah, il s'appelle sac à main, le croco. Un Bigorneau, c'est le gamin, effectivement. Et la petite, c'est Scampi. 3 minutes, c'est plus. Oula, je suis pas du tout assez appuyée. Oh, la nuit passe beaucoup trop vite. 3 minutes 5, c'est plus.
Allez, un ou deux. Et on se tire. Après, je ferai le rituel de la pêche un moment pour qu'on ait plein de bouffe. Comme une 75. 5 minutes, oui, c'est 5 minutes. C'est mieux, il fait que des virgules, Aigo. Ouais, c'est 5 minutes dans l'eau salée. Et enfin, dernière question sur cette carte, puisque les autres sont pas dingues. Qu'est-ce qu'un coulibiac? Tu sais, c'est pas breton. Allez, je vais leur apporter à bouffer parce qu'ils ont faim. Je suis pas du tout au bon endroit. Ça se mange? Ouais. Coulibiac, ça se mange, ouais, apparemment. Mais ça a pas l'air breton, apparemment. J'aurais trop dit. Diox, ça quoi? J'ai pas vu. Hop là! On peut débloquer une nouvelle bâtisse, hein? Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai pas débloqué tout en bas? C'est bon, j'ai tout, là j'ai tout, là j'ai tout. Là j'ai du compost, on va faire du compost. Ce qui me serait plus utile, c'est ça en vrai. Poste de mission 2, voilà. Poste de bûcheron 2, je vais faire. Ça, c'est utile. Oui! La route des Twitch! Pas d'adeptes, j'en ai déjà trop! De la bouffe, ça c'est trop bien parce qu'ils ont faim. Merci Twitch! Merci pour vos contribs. Je vais faire à bouffer du coup. Ah, ils ont trop la dalle. On va faire un mélange ordinaire de bouffe. Et ça. Et ça. Voilà. Ça c'est très pratique. Faut que je fasse deux postes de bûcheron en plus. Et je vais les améliorer après. Ils ont encore faim. Voilà. Faut que je construise des postes de bûcherons parce qu'ils ont été tout pétés. Bûcheron. Je vais en construire un autre, mais j'ai peut-être pas assez de ressources. Ah, je m'en doutais. Il manque quoi pour en faire? Il manque des pièces. Et évidemment. On va partir en mission pour voir si on trouve des pièces. Alors. L'apéro des Diox. Un truc à la viande, exactement. Je vais me faire un truc à griller. Mais c'est ça le problème, c'est qu'on parle de bouffe. Le coulibiac, ça a l'air insane. Alors, le coulibiac, c'est un pâté, farci russe. Donc pas du tout, pas du tout breton, vu le nom. Pâtisserie vue russe, mais genre pas vegan du tout. Oui, c'est ça. Yes, GG, Yasmog. Trop fort. Ah, c'est plus propre maintenant qu'il y a deux toilettes, c'est vrai. Voilà. Alors, pour le moment, je peux pas faire grand chose ici. De toute façon, on va devoir partir en explo. Limite, ce que je ferais bien, ce serait nommer un qui récolte des sous. Petit Dan, t'en es où, toi? Ça peut être pas mal, Petit Dan. Ah non, Petit Dan, j'envoie en mission. Il est fort dans certaines missions. Kusaki, pourquoi pas, tiens. Ouais, je vais nommer Kusaki. On va faire ça maintenant.
va faire un rituel de nomination de Kusake en collecteur de thunes, si j'ai besoin de thunes. C'est où la collecte? Produit de l'océan, rituel du jeûne, rituel de l'avarice. Ah, bien ça, ça c'est moi ça. Petit rituel où on va nommer quelqu'un pour récolter ma moulaga. Ah merde, non! C'est pas celui-là, c'était un autre. Bon, bah il est bien celui-là aussi. Juste j'ai ramassé plein de sous. C'est bien, c'est bien. En fait, c'est bien. J'accepte. On nommera un percepteur des impôts tantôt. J'ai combien de sous? 1064! J'avais 24. J'en ai 1064 de thunes, mais ce rituel est incroyable! Oh, le rituel de fou! La collecte de Subway! Mais moi, normalement, mais oui, Trapil, mais t'es. Mais t'es même pas dans le jeu, toi, Trapil! On est d'accord hein, que t'es pas dans le jeu? Oh, Royal de Luxe qui renaît de ses cendres, merci! Vous avez fait naître mon copain. Royal de Luxe ne se rebelle plus. Ah oui, c'est vrai que c'était un rebelle. Comme Sonic. J'ai 1064 de thunes. C'est énorme. Je vais pouvoir faire plein de lingots. Et les lingots, ça me permet de faire des constructions. Et je pourrai acheter des trucs aussi. Oh, trop bien. On va faire des lingots déjà. Voilà, full lingot. Full planche, j'ai pas le choix. 1060. Non mais n'importe quoi. C'est n'importe quoi tout ce que ça me donne. J'y pensais pas que ce serait autant. J'ai loupé le... Il y avait un vote, j'ai loupé le coach. J'aime beaucoup toutes ces vannes sur... Red Dead Redemption... Enfin, sur l'univers cowboy, je sais pas pourquoi c'est Red Dead Redemption et ORP qui va se lancer bientôt. Et c'est trop bien. On va faire un petit... Tiens, 4 max. On va récolter ces... On va écouter pardon sa confession, comme ça ça va beaucoup augmenter son niveau de fidélité, c'est bien. Et si je fais ça en plus, là il gagne un niveau direct, instant. C'était moi le tenancier de la thune au début, mais oui, mais je vais te ressusciter dès que je pourrai. C'est juste que là j'ai trop de gens, donc faudrait que je sacrifie des gens. Ah, il manque un lit, c'est ça? Je crois qu'il manque un lit. Je vais faire ici. C'était une décision collective de ressusciter Royal. Bon. Alors je suis un peu à bouffer, tu vas partir en mission. Hein. On n'a pas le choix. J'en ai raté un. C'est pas grave, je refais un. Franchement, j'en fais 12, au pire, j'en fais d'avance. Voilà. Merde, je suis à chier un peu. Va de dos. Y'a assez de lits là? De maison ou quelqu'un va prendre ce lit là? Non, ça a l'air bon. Il y a assez. Non, mais arrêtez bien, les araignées elles volent mes ressources. Arrêtez! Non! Mais non, mais attends! Je vais faire A pour l'araignée. Voilà. Les araignées qui me font mes ressources, arrête ça! Un sup! J'espère qu'elles volent pas les... Elles volent pas les plats. Mais ici c'est quoi déjà? Ici c'est les champis. Ici c'est ça. Même si en vrai ils plantent tout un peu où ils veulent donc... Voilà.
Ok. Ils vont tous très bien. Je vais en profiter juste, parce que maintenant que j'ai plein de sous, on va pouvoir acheter des trucs que je pouvais pas acheter avant. Donc on va aller voir. La mode du co. Du covoiturage, ça doit être du western, non mais c'est... Moi, je l'ai gagné 30% à la nuit, c'est bien. Dégâts aux ennemis. Oh, ça, je prends. Non, parce que du coup, ça me donne des nouvelles cartes pour quand je suis dans les donjons. Bien. Donc, j'en profite un peu, vu que j'achète jamais. J'en achète pas beaucoup parce que. Parce que ça demande de la moula, quoi. Seul couvert de foin, je mettrai ça en dessous les cahutes. Ce sera sympa. T'as sauté le pas, n'est-ce pas? Tu as goûté au pouvoir des champignons. Oui, tu es comme Zozo. Zozo est ton ami. Oh, ceci est un gage d'amitié entre deux amateurs des champignons. Prends-en soin, fais attention, on ne peut faire confiance à personne. Personne. Elle est morte, fufure. On est tous collègues. Non mais c'est coco. C'est une épidémie. Oh, c'est quoi ça? Je faisais la sculpture de champignons. Ok, bah écoutez, on va faire ça hein, quand on va en rentrer. On a l'air stylax. Thank you for the contribution to the cult. Ne remercie pas Zozo. Zozo est juste, Zozo paye toujours ses dettes. Comme les infidèles qui se cachent partout. Apparence adepte. Je prends aussi. Ah, j'achète un max là. Très contagieux. Tu es contagieux. Oh, trop mignon, petit bœuf. Zozo! Un petit champignon! Hop, j'aime pas récolter le petit champignon! Je peux avoir une autre apparence? Je la prends direct. Petite girafe. Coupure. Ouais, j'ai fait tout ce que je pouvais ici, c'est bien. Hello Sam! Bonne fin de nuit, bah bonne nuit à toi! Bah je vais voir au pont de contrebandier si je peux acheter des queutrues. Bon, c'est des décos après. Ça coûte ultra cher. Et des cartes. J'aime bien les trucs qui se rajoutent à ma roulade. Ça, dans Hades, c'était trop bien, ce genre de pouvoir. Donc lui, bah faut que je lui ramène un œil de machin. Et je prends encore une petite apparence adepte, hein. Zut, je suis partie, je voulais pas partir. On va entrer à la maison et on va mettre des décorations. Oui, ça c'est pour moi ça. Les cow-boys mangeaient des cornichons. Décorations. Vous êtes inarrêtables. Quoi ça? Abri agréable. Duel rapide. Hein. Allez, je prends des abris agréables parce que je suis sympa. Même t'es surpris dans le jeu, t'as pas mal de petites zones comme ça. C'est vachement cool qu'ils rajoutent des petites zones effectivement avec des PNJ, des coins à visiter et où t'as d'autres interactions. Je trouve ça trop bien.
Est-ce qu'il faut que je fasse à bouffer? Un petit peu, je vois un tout petit peu. Voilà. Hop! Il y a Fion qui revient de mission! Et on m'amène de la bouffe. Vas-y, ça tombe bien. Je l'inspire un peu. Et je l'envoie dodo. On va récolter le caca. Bon, je peux faire un autre... Attendez, je vais améliorer mes postes de mission et tout ça et tout ça. Pas de mission, je vais améliorer mes... mes postes de récolte, si je peux. Ouais, je peux faire bûcheron niveau 2, donc je fais ça tout de suite. Et... Il faut que je refasse un bûcheron. Parce que vraiment, on a besoin de beaucoup beaucoup de bois. Là où la pierre, on a besoin quand même de moins, quoi, donc c'est pour ça. C'est pour ça que j'en fais souvent un pour deux. Pas faire un... Ah non, j'ai pas débloqué mes niveau 2. Bon, c'est pas grave. Alors, pendant ce temps, je vais voir si je peux faire des constructions. Il y avait des décos. Et avec des petits champis. Genre là, je peux mettre juste un petit champi, comme ça, tranquille. Qui se balade. Tel un champi, quoi. Bah, je vais mettre ça à côté d'ici, parce qu'ici, c'est la zone de champi. Hop là. Du coup, je vais mettre ça là. Ensuite... Alors, ce qui est sympa, c'est que tout ce qui est sol, bah, ça demande rien. On peut juste en faire comme ça. Voilà, mettre des petits trucs de paille comme ça. Je trouve ça cute. Bon, le sol comme ça, par contre, faudrait que j'enlève. Hein. J'en ai mis trop partout du sol en brique, c'est nul. Je vais l'enlever. Tu vois, j'enlève. Là. Mais je testais, en fait. Je testais si c'était une bonne idée. Bon, bah, c'était une idée à chier, mais je testais. Là, je vais essayer, je mettrai des trucs au milieu. Je sais pas quoi. Là aussi ça dégage, ça c'est nul. Là c'est un petit chemin en terre qui va jusque là. Is ok, je garde. Hein, je garde. Pourquoi pas garder, je garde. Et ensuite, bah là il y a un chemin tout autour et en vrai on s'en fout un peu, non? Ah quoi que c'est, ça fermait un petit peu le truc, c'était peut-être pas mal. Ah c'était peut-être pas mal en fait. Je vais en mettre du wab. Quand on reste appuyé, en fait, vu que c'est au joystick, c'est très chiant. À la souris, c'est quand même mieux ce genre de truc. Ok. Et là, je vais prendre de la pierre. C'est le pavé, hein. C'est ça, hein. C'est trop ça. Voilà, je laisse un petit peu d'espace. Mais merde, je vais pas... Voilà, ça, c'est la zone de dodo. Franchement, faudrait pas plus grand, hein. Ça suffit. Hein. Là, c'est les chemins qui mènent aux toilettes. Bon, je vais peut-être le virer. Hein. Bon, je virerai ce chemin, je l'aime pas. Il me plaît pas du tout. Là, je laisse comme ça, ici. Là, je vire. Voilà, ça fait moins de chemin partout. C'est chiant, ça m'énervait. On a toujours vachement. Aussi, il y a plein d'herbes là. C'est tout pas propre. C'est pas propre. La vache qui passe ensemble, elles font une collab. J'avais trop d'inspiration pour que je puisse suivre. Ah, faut que je construise ça. Oh, ça demande 20 de trucs à la recherche de sous-construction. Ah bah putain, ça demande beaucoup beaucoup de gold.
ce nom de ton truc? On va mettre un petit bras zéro ici. Pour que mes petits machins, ils aient pas trop froid. Je suis sympa. Faut que j'envoie quelqu'un en mission. Toi, je vais t'envoyer mission parce que toi, je m'en fiche. Si tu meurs, c'est pas grave. Hop là. Là, on remet du combustible. Je sais pas à quoi ça sert, mon armée. Oh, père. Ouais, vous... Après, on est certain que vous répétez un peu. C'est ceux qui se posent sur les vaches des colibris. C'est mignon ici, j'aime bien. Merci pour la contrib. Pour la contribution. Ah, il est tout balèze le truc. Je t'inspire. Je sais plus qui c'est Jack, je crois. Ok. Bon. Bah, on est bien là, hein. Franchement, on est vachement bien. Je vais upgrade la deuxième truc, voilà. Ça, c'est cool. Faudrait qu'on fasse un rituel, hein. Il faut que je cuisine. Pour faire de la bouffe. Cult of the Co. Le pire, c'est que j'ai même pas de personnage vache dans mon culte. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ramène le petit nouveau? Je sais pas, on en sera peut-être pas assez. Cuisine, trop bien. Effectivement, ils sont tous ravis. Cult of Deluxeville, salut Bloody! Ah mais ici, je peux mettre des trucs. Là, je peux. Et je peux mettre en déco que quoi d'autre. Bon, bah ça. Ça. Ça va pas être très symétrique, mais c'est pas grave. Bon, ils ont de la bouffe d'avance. Je pense que je peux partir en mission, hein. Ouais. Je crois que je peux grave, ouais. Bon, je pourrais déplacer les constructions, au pire, c'est pas grave. Là, je vais rajouter du bois à fer. En... Comme ça, raffiné. Et je vais rajouter encore ça. Et ils vont tous dodo, mais on va faire un petit rituel pour prendre un copain et partir en mission. Toujours le même, hein. Le sacrifice, c'est parce que le culte bute. Ok. On l'a déjà un peu faite, celle-là. Effectivement. Comme le Pokémon. Le Pokémon Culbut ? Je connais pas. Bienvenue, bonjour à toi, jeune Padawan. Ça va bien ? Bah bonjour à toi. Bienvenue, oui, bienvenue à toi. Ça va très bien et toi ? Petit Bloody. Là, je peux acheter un gars, on le prendra plus tard. Hein. On va pouvoir ouvrir la suite bientôt, mais on va d'abord faire ça. Ils sont tous très bien.
J'atteins le syndrome Gadelmanet, je suis obligée de recycler les fans des autres. Ça tire à balles réelles. Pas mince. Disparais, créature. Va trouver satisfaction ailleurs. Tu ne franchiras jamais la porte de mon temple. Ah ouais. C'était sans compter sur la puissance de mon énorme culte. Attaque au corps à corps destructif, ce qui a les chances de posséder l'ennemi touché. Ça, c'est pas fou. En vrai, c'est pas ce que je préfère. C'est pas très efficace en fait. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix au début. Et puis le problème aussi, c'est que je suis obligée d'attendre que le personnage ne soit plus possédé pour pouvoir enfin le taper. Mais je vois pas forcément la différence à chaque fois en fait. Donc on va changer très vite d'arme quand on pourra. J'ai toujours pas gradé mon truc pour avoir deux démons qui me suivent, c'est bien dommage. Donc là, faut que j'attende qu'il soit plus pote. Là, il est plus. Il y a un tout petit logo au-dessus de sa tête, c'est comme ça qu'on le voit. C'est vraiment pas terrible. Enfin, moi, je suis pas fan. Donc bon. Changera quand on pourra. Un boulot comme d'hab quand je passe en ce moment. Oui, c'est vrai. Ça se passe bien, ça va? Tu finis à quelle heure? Yes. Evan, incroyable. Je demande à la con, j'ai très envie de me tatouer Thanos. Je bois son thé pour avoir un thé Thanos. Oh non, mais la vanne qui va un peu loin, quoi, quand même. Et là par exemple, ça sert à rien, si lui je le possède, bah, je suis obligé d'attendre qu'il soit plus possédé pour le taper, donc ça sert à foil. Pas dingue. Je veux changer d'arme. Tiens, tu décides de mon destin. Oui, à destin, j'enlève la vie. Enfin, une immunité au poison, infligez des gains aux ennemis que vous touchez pendant une roulade. Ça, je veux tester ça. Je pourrais peut-être faire full meurtre avec roulade. Ah, vous m'avez donné notre carte, merci beaucoup, c'est trop sympatoche. C'est beaucoup trop sympathique. Là, on va récolter. 5 heures, je finis. Ok. Moi, c'est tatou de pied et écrit dessus ton. Comme ça, c'est un piéton. Vous avez les meilleurs tatous en fait. Pite sur le bras. Oui, c'est vrai.
Les mêmes refs, non mais... On a vu la vidéo. Ah bah non, pas moi. Donc s'il y a encore des vannes, bah je serai cliente parce que j'ai pas vu la vidéo de base. Ah oui, c'est vrai que je fais mal quand je fais des roulades. Oh, je fais pas très mal, hein. Bon, par contre, j'aimerais vraiment trouver une autre arme. Une autre arme secondaire, j'entends. Ça me plairait beaucoup. Attendez, c'est une grosse voix. Lorsque les 5 deviennent 4, puis 3, puis 2, puis 1, les 5 ne sont plus. La croix l'a toujours effrayé Calmar. La peur l'a rendu lâche. Ma porte est la prochaine à laquelle tu devras toquer. Toc toc fait l'agneau avant de détruire tout sur son passage. Fin des temps. Temps du monde. Ça me fait tousser de parler comme ça. Oh là là, trop mignon, elles sont des petites toiles, elles peuvent s'échapper, elles sont mignons. Ça se fout de la gueule du monstre parce qu'il fait des soustractions, bravo. Écoutez... Bon, en plus, le pire, c'est que ce couplet, il nous l'a déjà sorti. Donc... c'est vrai que le côté symbolique, du coup, est moins stylax, quoi. Bon, je trouve rien, on est d'accord. Je trouve rien. Ah, si, un tout petit peu d'herbe, super. On se casse. Ça fait pas de dégâts aux objets quand je roule. C'est dommage. Ça aurait été vachement plus rapide de tout péter en faisant des roulades plutôt qu'en tapant à chaque fois. Voilà, là c'est mon ami, donc on va l'attendre. Bah, j'aime. Ouais, je sais pas ce que je préfère, le feu corrompu, mais mon arme est tellement pas celle que j'aime que. Pas le choix. On passe à la suite! Bon, point d'interrogation, tiens, j'ai l'esprit aventureur. Oh, qu'est-ce que c'est? Un rat mort. Mais il est tout mort, acceptez le défi. Attends. Faites tout avant. C'est important de se faire un peu d'espace là. Pour le défi. Bien le bonjour, aimable agneau. Si tu survis au prochain combat sans utiliser de maléfice, tu mériteras la récompense. Mais si tu échoues, hélas, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer, aimable agneau. C'est quoi qu'il appelle maléfice ? Aucun maléfice. Bon, je pense que c'est mes trucs à distance. Mais le truc qui est chiant, c'est que du coup, ça veut dire que le boss, je vais pouvoir le faire sans aucun maléfice, quoi. Moi, je pense que c'est ça, hein. Bah ça c'est encore une fois comme les défis d'Hadès. De Chaos, je crois. Oui c'est Chaos. C'est ça? Oui c'était ça, ok. Oh
Florian a atteint un âge respectable. Je fais pas beaucoup de dégâts. Sculpture à nuit en bois. Super. Je vais me tatouer AB sur le dos, comme ça j'aurai des abdos. C'est limpide, évidemment. Côté des ressources supplémentaires ou vitesse d'attaque multipliée par machin de ressources. Moi j'aime bien les ressources. Quoi que j'aurais dû faire vitesse d'attaque parce que là, je vais sûrement faire le boss. Je suis revenu, bref, on s'en fout des voix. Qu'est-ce que je vais bien t'offrir ? J'ai des récompenses, oui merci, un plan. Un drapeau, très bien, j'en ai beaucoup. Mais je prends. Ah oui, c'est ça. C'est ça mon truc. On se tient, hein. Oui on se tient. Allez, je me casse. Ça va être plus en plus loin. Allez, je me concentre sur mon jeu, hein. C'est quoi ma marque ? Je sais plus. Non, ça c'est naze. Moi je prends le marteau hein. Tant pis, je prends le marteau. Recycler, parce que j'arrive pas à le faire comme ça. Voilà. Allez, 7-6 parts pour le boss. Mais évidemment que ça va parler d'Izzy, Azmog, enfin. Ça m'a commu, hein. J'ai beaucoup de vie, moi. Je suis trop lente, en fait. Ça va être chiant. Non, il faut que j'ai une épée plus rapide. Ça permettra d'utiliser la ferveur collectée. Ça, c'est chiant. Ça me saoule. Je vais prendre ça. Ouais, je suis trop lente sinon. Par contre, j'aurais bien aimé avoir des KR. Mais j'ai pas beaucoup de KR. On va peut-être en trouver sur le chemin.
Merci pour le contrib. Je pète tout parce que ça m'est déjà arrivé aussi de trouver des cœurs. En dehors de ressources, mais c'est rare. On va faire ça d'abord. Bon, j'ai encore un demi-cœur bleu, c'est déjà ça, hein. Merde, il bouge. C'est chiant. Ça m'a fait bien mal. Ça me saoule un peu. Je vais die. Peut-être. Voilà. Un petit cœur. Non, pas du tout. J'ai plus qu'un cœur, c'est chaud. Vraiment que je trouve autre chose, hein. Je suis extrêmement prudente. J'ai plus qu'un cœur. Non ! Un cœur. Ok, ça commence à aller mieux. Bon, bah on va faire le boss avec deux cœurs. Ça va être chaud. Méprisable petite vermine, tu n'es rien. Sans moi, you. Tu ne comprends donc rien, Agno. Écoute ma mise en garde, fuis. Bah expliquez-moi sympathiquement aussi, plutôt que de me taper. Allez. Le style est quand même bien sympa. Ok, j'ai déjà perdu un demi-cœur. Ok, j'ai déjà perdu un autre demi-cœur. Ok, j'ai déjà perdu un autre demi-cœur. Oh là, je suis un peu mort là. J'avais rien. Elle est plus dure que Mog ou pas? Bah... peu de chance, hein. Je fais à peu près 50 fois plus de dégâts que mon mage à Mog. Donc ça va aller. Bonsoir Tyrelias. Oh oui, des sous. Non, de la bouffe. Il m'emmène de la bouffe. Ça, c'est bien ça. Ça me plaît beaucoup. J'ai envoyé de dos, mais avant, je vais le bénir. Non, j'envoie de dos. Loin. Oh, les lits sont tout pétés.
toi tu dors pas dans le lit? Bref. Ok, je vais. Ensuite, faut que je refasse à manger. Je vais refaire ça. Mince. Je vais aller vite. Les toilettes à caca, on nettoie. Mais pourquoi il dort là, Fernandelus? Mais va dormir enfin, t'es fatigué hein. Va dormir dans ton pieu. Bon, déjà je fais ça. Ah mais parce que son lit était cassé. Je vais envoyer Dodo dans son pieu. Et toi aussi. Dodo dans ton pieu. Voilà. Alors, je peux améliorer encore des trucs. Je vais faire la mine. Vos idées de tatouage sont un peu hachées. Des os. Ok. Ouais, j'ai rien récolté du coup parce que je suis morte. Comme une noob. En même temps, je découvrais le boss, mais c'est vrai que j'avais pas fait gaffe avant que j'avais si peu de vie. J'aurais pas dû le tenter, j'aurais dû juste repartir et attendre le prochain essai pour tenter. C'était pas malin. On va prendre la confession de quelqu'un. De Jox, tiens. Du coup, il level up. Bon, ils ont besoin de croire de nouveau. On va peut-être faire un petit truc là. Qu'est-ce que je peux faire comme, comme rituel hein? Rituel de résurrection? On va résurrecter un quelqu'un. Bonne nuit Gadmax, merci pour ton inspiration. Alors, j'ai plein de gens à Rez. Trition, Morfufu. Et ça fait longtemps. Ah mais Lix, ça fait encore plus longtemps. Ah mais Vendis, c'était pratique. On va Rez Vendis. Voilà, nouveau percepteur des impôts. Un petit sermon maintenant. Comme j'en ai deux des vieux. Oh, faut que je sacrifie Fion là. À demain pour faire un autre sermon après parce que sacrifice ils aiment pas ça. Ça c'est chiant.
qu'il faut que je fasse à manger? Non, ça va. On fait un petit peu d'avance comme d'hab. Et on va voir ce qu'on peut améliorer. Ah oui, il faut toujours faire des trucs raffinés. Surtout des lingots et du bois. C'est juste ce dont je manque tout le temps. Ensuite, je vais améliorer les autres toilettes extérieures que j'ai foutues. La voilà. Cercle d'invocation démoniaque niveau 2. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est possible une seule fois. Bah ouais, mais il y est déjà? Ah, mais c'est déjà un niveau 2 que j'ai là. Oh punaise, j'avais pas fait gaffe du tout. C'est là que c'est meilleur. Oh, bon, merci, hein! Là, je pense sympa! Hop, ça, on va faire. Merci, petit Bloody. Ah oui, il faut que je fasse des tombes. Comme ça, il se recueille auprès des tombes. Et ça me fait de la foi en plus. J'espère qu'ils pourront revenir quand même à la vie. Ça, il y a un malade encore? Pourquoi? Petit Dan est malade. Là, comme d'hab. Et je vais l'envoyer dodo. Ah non, non! Faut que je soigne ici. Maintenant, j'ai de quoi soigner. Mais voilà, ils sont toujours en animation ou ils sont tout malades, alors je ne sais pas quoi penser de ce truc, moi. Info ou intox? Info tox. Alors, info ou intox? Info ou intox? Info ou intox? Tiens, j'aime bien cette légende urbaine. Enfin, je sais pas si on est une en fait. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Info ou intox, ramasser un aliment tombé au sol en moins de 3 secondes empêche les bactéries d'y adhérer. On va peut-être être surpris, que sais-je. Info ou inox? Alors, qu'est-ce que je peux construire d'autre? Qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Ah, qu'est-ce que c'est? Des pierres normales et j'en ai pas assez, c'est ça? Ça, qu'est-ce que c'est que cette ressource? C'est des pierres encore plus raffinées, je comprends pas. C'est bizarre, pour faire ça, il me faut une ressource que j'ai pas en fait, donc je pourrais pas. C'est chier, mais je peux pas. Intox. Faux. Intox. Ok. Alors, info ou intox? Je dis ça tout de suite. Ramasser un aliment tombé au sol en moins de 3 secondes empêche les bactéries d'y adhérer. C'est une intox! C'est un mythe, les bactéries qui entrent en contact avec l'aliment s'y collent immédiatement. Bah, en vrai... Moi j'avais vu un truc qui disait que ça dépend de la texture du sol et que ça peut être plus ou moins... ça peut être proche de la vérité selon le sol. Mais bon... En vrai... En vrai ça reste un peu con mais... Mais moi j'aime bien ce truc.
je vais pas faire ça. Je vais pas du tout faire ça, mais c'est pas grave. Ok. Mince. Mon chat se met plus à jour, attendez, voilà. En vrai, moi j'ai connu une bactérie. Ça me fait moins de 30 secondes. Hein. Bon, on a une VOD beaucoup trop longue, alors je vais arrêter la VOD ici. Bonne VOD, des bisous. Ciao.